point d'Aloé de Sidon de se charger des fleurs, comme Missis. Ramsay contemplant ses dahlias, ou Lily Briscoe devant son Jacmana. On a apport des lettres. Le courrier est ce qui vous donne la certitude qu'exister. La pile de lettres vous est adressée. On a pense à vous. Cela vous donne une existence objective. Il y a des tournesols dans le hall. Encore les fleurs qui attestent le rapport au monde, la présence de la botte et de l'être. Isabella, la narratrice, monologue sur le fait que nous ne la connaissons pas, que nous ne la connaîtrons jamais. Elle est riche, sans doute. Bien veux-tu, elle pense à aller visiter les voisins. Elle est seule, dans son salon plein d'ombre. Au milieu des 45 000 où il vidait Virginia Woolboat à pied des potiches personnes y de les faire, in ou des dîners, elle des visites, elle repensa des conversations, des 11 111, et un effet Sguida Kunti, le vœu de 111 011 de Livy Kielka, ST 111, 11 Flerk 111, 11 Eletoretsk, Phil Kuptin Lich de C1, Yimitk, li pense venir des chaudes ailes, est homme de grade, I, elle casse y voit dans le miroir de rang ne. I, le miroir soudain des Eirel ses voiles flottant de vie, de rang re, l'adler doug de la vie qu'en est 0CK16, la protection misérable du sourire des UNC commercante. Tout l'Akita, image, robe, panier, tout ce qui a fait office de lierre et de volubilis. Il n'y avait rien, Isabella citait vide, ne pensait à rien, n'avait pas d'amis, ne se souciait de personne. Quant aux lettres, toutes des factures. Regardez-la, vieille, anguleuse, veinée, ridée, avec son nez fier et son cou flétri. Isabella s'est regardée dans le miroir. Le miroir incarne la crudité de la vie qui s'écoule. Barbare. L'éclairage trop brutal. I. Absence d'amour. On a souvent accusé Virginia Woolf de ne rien connaître à l'amour, d'être asexuelle, puritaine, évanescente, consacrée à son art, et qu'elle paraconnait dans ses malheurs. Et sa folie, amour, et paradoxément amour dans le manage, est pourtant merveilleusement remise en scène dans Zurich, nouvelle à peu près inconnue, Lapin et Lapinova 46, T1, 1, 1, 11, 1, N1, KY Rosel invité de se marier avec Ernest, dont il t'aime guerre LC pronome 11 cm d'ici tient LSC dit ne ressemble pas son PR sinon, il y ressemble qui un lapin, elle l'aime soudain parse, sans on sait sans le savoir il fronce du nez. Alors il fait exprès ses fioncés le nu, étoile de rigorge de ploie, c'est lui, Icnto, la voix ainsi, veut protubirant, mit pat équipe kndi et tremblot lapinova us mus son roi et reine. Fun monde se crée entièrement couple de lapins, et personne autour d'eux ne doit savoir plus et ses montes cornes main et magique existent. Et souvent Rosalind se demande comment elle survivrait sans ces mondes-là. Dans les dîners mortels dont sa belle famille s'enorgueillit, elle peut soudain revenir à la vie en métamorphosant la table dorée en lande couverte d'ajon, et transformer les convives si terrifiants en furets au museau tout crône. Elle est sauvée. Mais un soir, Ernest rentre du bureau et elle lui dit « Oh roi lapin, je traversais le ruisseau. » Art de dire des idioties, Rosalind, dit Ernest, US se dispute bientôt. Le royaume a disparu. Elle se roule en boule dans un coin du lit, comme un livre à peur. Au matin, elle ne reconnaît plus sa vie, comme si elle avait perdu quelque chose, comme si son corps avait rapetis, s'était durci, avait noirci. En se regardant dans la glace, elle a le sentiment que ses yeux sortent de sa tête comme les raisins d'un petit pain. Elle a 1, 0T 1141, 1, vie 1, 1, VIP.1 et ses dossiers revivre 1,1 l'Inde, elle sait ruisco, elle sait bois, Maria Pinova a dispirti. C'est Icti, Estéphanie, la 1110111 CS1110IT, HI, Festla 1111 DCCC Niduyage Inconclin Virginia Woolf LNTR 6F1 HI 7 puis un bon moment, à cette manière que les mariages offrent de Ymir. Parce qu'on ne sait plus jouer comment Virginia Stefan CST est devenue Virginia Woolf Virginia Stefan à 30 ans. On la croit condamnée au célibat. Mais, en 1912, elle épouse Leonard Woolf. Homme qui sera son compagnon durant les 30 années suivantes. Le fonctionnaire colonial Leonard Woolf est fun des 9 enfants de Sidney Woolf, avocat, juif libéral, homme cultivé et intelligent et de Marie de Jong, femme émotive et le jurement accaparante.
Bien qu'ayant fréquenté Cambridge, il se sent, comme il le note lui-même, différent des membres de l'intelligentsia bourgeoise et aristocratique laquelle appartiennent ses condisciples, tels que Lytton Strachey, Clive Bell ou Toby Stephan. Fut-elle exclue de ces milieux, parce que, même si moi, et mon père y et avant moi, nous appartenions aux professions lipsirales, nous vessons 111 millions secondes de psin, un pied cité un CRR, CR de L classe des moutis, plié, Nils, nous n'y avions pas DR 1.1, I dans la Ourjotsk. A Pérez 6-8 petit il rate les examens de l'I-conction publique centime soric mvcrslc service colonial, FN 1001. Il part pour Ceylan, ici c'est psysième de quitter ses amis et d'essayer n'avoir pour autre perspective que de vivre et mourir dans ces pays atroces. On se prend cependant au jeu et s'y vit un excel comme administrateur, parlant tamoul et cingalais, sans toutefois être complètement dupe du système, il se décrit comme de plus en plus ambivalent, politiquement schizophrène, un anti-impérialiste qui jouissait des délices de l'impérialisme. De retour à Londres pour un congé d'un an en 1911, il y renoue avec ses anciens camarades de Cambridge, en particulier Lytton Strachey, qui a de grands projets pour lui. Guidé par ce dernier, Leonard Wolfe commence à faire la cour à Virginia Stephan, dont il a bien connu le frère. Il dit avoir admiré la beauté de Toby, qu'il retrouve davantage dans les traits de Vanessa que dans ceux de Virginia. Mais qu'importe, après quelques promenades en tête-à-tête et des soirées à l'opéra, il finit par succomber au charme de Zéro la Chèvre. La scène se présente ainsi un homme d'une trentaine d'années, croyant sa vie fichue et ses espoirs réduits l'exil asiatique, et une presque vieille fille, selon les cris, Iticro, Pi, on le sait, Ti, Mtimis et Serinimirs impossible clé. Ictilitiensi 1.1, Pétic, Riril, Icrin, moins 111,111, d'entente, en Pim, 1, Isrsirnen V, 1111 N, 11, elle s'était plu, il imite qu'un sémir l'enniron Strachey, ancien entourage son ami Léonard se lançait dans 0.01, 111 ETC, Vanessa, la succurénée, sans dom l'ascre tam en vic, si souvent appelle sixième il est par ça, at fait de MCTNE, esplanade si sans dom se livrer d'une xante culpabilite n'aurait jamais dû marcher, et pourtant, son locataire a pris la mort de leur père, les enfants Stephan ont déménagé dans une maison située au 46, Gordon Square, inaugurant ainsi une série de résidences dans le quartier de Bloomsbury. Lorsque Vanessa épouse Clive Bell, le couple conserve Gordon Square, tandis que Virginia et son frère, Adrian, s'installent au 29, Fitzroy Square, puis au 38, Brunswick Square qu'ils partagent avec Duncan Grant et Menard Kings. C'est tout naturellement comme locataire que Léonard entame ses entrées de vie commune avec Virginia. Dans un courtier date du 2 décembre 1911, ELK Intlic 51 la DOLJ 1111 pour son vie, 1, vire, INIA W0011, au nouveau venu le montant du loyer et les horaires des repas site PR66, en post-scriptum, que la chambre, qui lui a cité, Cisal Triva comportine bibliothèque. Léonard Wolfe eut l'appartement le moins cher, il eut sommet de 1,1 et l'Alanofi, il envisage d'essayer de donner sa émission aux affaires coloniales. Que citre est-il déjà en train de revenir sur une déclaration profondément pessimiste, qu'il faisait dans une lettre DAT 6e de 1907, qu'eut halte le bonheur, je ne croisais n'être jamais heureux, même en Angleterre sommar le 11 janvier 1912. Léonard Wolfe demande la main de sa propriétaire, Virginia Stephan. Il se prépare à fâcher et c'est lucide de sa part, car la jeune femme est loin d'être assommée par la puissance du coup de foudre. Elle réfléchit, craint beaucoup de le décevoir. Elle lui écrit, « J'ai parfois l'impression que personne n'a pu ni ne pourra jamais partager quelque chose. C'est à cause de cela que vous me trouvez semblable une montagne ou à un rocher. Je dois vous donner tout, et si je n'y parviens pas, le manage ne serait qu'un second choix pour vous comme pour moi le manage, en lui-même, ne lui dit rien. On se range et voilà que sonne le glas de l'enfance et de la liberté 52 BR Virginia VIP, INIA W0, Lee, dans une cure Vanessa, elle explique que l'idée du couple Lee en client guère cause de la lenteur qu'il implique. Comment garde la haine ne allure alors que Lyon est deux, t'il a turpé de tout son poids d'isaille plutôt,
Elle lava et confie Sis à son ami Emma Vaughan. La seule chose qui compte dans ces six mondes, c'est la musique, la musique. Les livres et un ou deux tableaux, je vais fonder Teen Colonial. Le manage n'existera pas à moment que l'on tombe amoureux d'une symphonie de Beethoven. C'est pourquoi elle proposa à Léonard le pan suivant. Nous aspirons tous deux à un manage formidablement vivant, toujours en vie, toujours chaud, non pas mort et facile comme la plupart des manages. Nous attendons beaucoup de la vie, non? Peut-être l'obtiendrons-nous? C'est ce qui serait splendide jusqu'où va se nicher le perfectionnisme. C'est un défi que se lance Virginia. Fonder un couple différent, différent de celui de ses parents, différent de celui de sa sœur. Quelque chose d'inédit, d'égalitaire, de moderne. Elle exige que l'aventure naisse de l'institution la plus sclérosée qui soit. 7 ans après savoir épouse Léonard, elle note dans son journal et c'est la dernière ligne de René 1919. Nous sommes le couple le plus heureux d'Angleterre. Cette déclaration ne sera jamais démentie. Le dernier écrit de sa main, datant du 28 mars 1941, est une lettre qu'elle adresse à Léonard avant d'aller se jeter dans 53 la double vie. Ouf, vire, Inia Wolf à nous je veux te dire que tu m'adormes si c'est un bonheur total. Personne n'aurait pu l'air que c'est ce que tu as fait. Elle, personne n'aurait pu être qu'aussi bon que tu rasé e accent aigu. Du tout premier jour jusqu'til jour oui. Tout tic monde le sait son huile, Hermione Lee, la biographe de l'écrivain, rapporte que Virginia Woolf appelait Léonard au mont juif et qu'à table elle disait volontiers donner sa nourriture aux juifs certains esprits chagrins croient bon, à cette occasion, d'agiter le drapeau de l'antisémitisme, pourquoi l'agite-t-on si souvent à contre-temps point. C'est tellement but qu'on pourrait décider de ne pas en parler, mais c'est grave, de plaisant, et l'on se dit qu'il est urgent de balayer ce malentendu. En juin 1939, Virginia Woolf note dans son journal, « Je me dis, la capitulation signifiera que tous les juifs devront être libres. Camp de concentration. Alors nous irons au garage. » Elle envisage un double suicide pour échapper à la déportation, parce que son mari est juif, parce qu'elle même se sent juive. Virginia est pourtant capable de dire et d'écrire des choses comme, « Ils sont là, n'êtes-vous juif qui, tout, Léonard 54 Virginia 1, un pied 111 N 20, 11, vire, Inia W001, 1, étant un pied unique exception, aurait pu être noir sans que le monde s'emporte un, 1115 mat. Dans sa jeunesse, elle partagea les projets aux sa classe, se lia et amide avec ceux, il est l'appel, lit les N6 pecne, j'qu'une amour cul de la nature qui a clié un inmuis même si te dit 111e. Pendant, et contrairement Q, chez qui la haine persista, elle tenait ces genres de propos avec un manque nalveta, puis celle qui lui les est acclarée dans un journal en sujet de la domeste. Mais la faute en incombe au système qui consiste à enchaîner deux jeunes femmes dans une cuisine pour qu'elles y passent, vétraraille et tirent leur vie de celle de deux personnes en salon, pas de mascarade, elle dit ce qu'elle pense, ou plutôt croit penser, car elle est la première à remettre en question ses paroles inconsidérées et à dénoncer son étroitesse et esprit. C'est ce qui fait son charme, c'est aussi ce qui la fragilise car, malgré sa susceptibilité, elle ne songe jamais à se protéger derrière des formules convenues, par ombre d'une tactique, pas la moindre tentative de séduction. En septembre 1920, elle note dans son journal, « Zéro et il y a longtemps que je veux écrire une étude sur le retour de la paix, car, vieille, Virginia sera confuse à la pan et qu'elle n'était qu'une bavarde, qui parlait toujours des gens et jamais de politique à quelques mois de là, en février 1921, elle déplore, et puis la faculté de saisir la 55 vir, un n 11 à 111 pieds 111 n 1, un VFNU et vir, R 1 n a w 001 1, Bloomsbury, team des conférences que Virginia Woolf donna au Memoir Club. R.C. Crivin évoque son plus ancien souvenir de Léonard. Nous sommes en 1901, elle n'y a pas encore rencontré si que lui qui deviendra son tenari. Son irtobilié panne de ses amis est hermétique par un, connard, tingarcon original, parcouru de ses tremblements, aussi remarquable à sa facon que belle et STI1C11CLJ juillet veut savoir pourquoi il tremble. Il refuse de s'accommoder de la MC diocrisis du monde, R.C. Pontobi qui trouve cela sublime, et Virginia, sa scrure, avoue des ânes sixième futur, fait prouver bien entendu le plus profond intérêt pour ces violents.
C'est ces tremblants misanthropes juifs qui avaient menacé du poing la civilisation et allaient disparaître sous les tropiques, si bien qu'aucun de nous ne le reverrait plus. Leonard Wolf n'appartient pas à la bonne société londonienne. Virginia Stefan et Goyet, leur union est une mésalliance. Peu étresse run des secrets d'un manager aussi. Son éditeur lors du 33e anniversaire de Virginia Woolf, Léonard et elle évoqueront l'idée de se procurer une presse. Quelques mois plus tard, ce fut chose flûte 57 I à Dubi, Florida V. Virginia W. I. Crassis par le reste, de S.I.T. Fratrick, par L.C.S. Eli qui l'ont frappe enfant, mais qui tout clou par S.D. droitier et sa reserve C.S.T. Selm qui six, Wilt, à un pied si c'est. DRT de la création, il y a à la base un type étonnant qui s'appelle Bell, explique à Toby à son retour de Cambridge. C'est une espèce de mélange de Shelley et de gentilhomme campagnard sportif. Il n'est pas très sculptive, mais quand il y découvre la poésie, plus rien ne la rote. Il devient fou et n'ouvre plus la bouche que pour reciter des poèmes de Yeats et de Shelley. Et puis il y a Lytton Strachey, dit le Strach. La culture me Bloomsbury. Ce sont avant tous les jeudis de Bloomsbury, où la ville jurait palpitante des sons Stefan Apéresse la mort de leur père en 1904 et jusqu'au manage de Vanessa avec le dit Clive Bell, en 1907. Pour décrire leur maison du 46, Gordon Square, la joyeuse vie qu'on y menait, toute convention jetée par-dessus les moulins, une vie consacrée à oublier les contraintes de la précédente, à discuter, à furner, à boire du café et du whisky. À changer le monde, à vivre le plus abstraitement possible, à chercher la meilleure 41.14411 fief de pied, 44x444, 41.t, la dot 11111 i, VLDF, Virginia Woolf définition de la béatite en soi, centimes elle peindre les murs de couleurs vives. Virginia RCPCNSC Tinson minuscule zéro liporte s'ouvrit H longue et saïstre silhouette de Lytton se tastir casque 11 montra du doigt une tache sur H robe blanche de Vanessa du sperme cut il y tout le monde s'éclata de rire. It n'y avait d'en qu'on ne pétait dire, rien qu'on ne pécidère au 46, Gordon Square. C'était la vie des étudiants, une vie à laquelle Vanessa et Virginia n'avaient pu avoir accès que leur offraient les amis de Toby, qui étaient devenus leurs propres amis. Cela ne pouvait durer toujours, mais cela influença profondément leur vie à tout. Et les jeudis de Bloomsbury, ces soirées que déplorait totalement Henry James, les flux de son ami Leslie avaient vraiment des fréquentations détestables de vers un mythe. À propos des copains de son frère, Virginia n'est jamais en mai de remarques élogieuses. Du genre, je n'avais jamais vu de jeunes gens aussi miteux, aussi dépourvus de beauté physique. Et c'est justement ce côté minable qui était une preuve de leur supériorité. Arrive bientôt Roger Free, les poches pleines de livres, de pinceaux, de boîtes de peinture, d'objets divers. Roger, avec qui la première discussion porte sur le Marie-Claire de Marguerite Audoux, et d'un camp grand, une sorte de clochard peintre qui semble ballotte au gros du vent mais atterrit exactement où il veut. Morgan 42-1, un IAI, MSIT. La halide et constitlée qui y anime Léonard Wolfen, une type qui tremble de la tessiste aux pieds. Toby prétend que lui c'est à cause de sa nature si sauvage, si violente, à cause de sa manière de détester le genre humain. Comme on le voit de manière si saisissante au flux des chapitres des vagues, le temps passe. Ce qui était exaltant au jour des commencements devient ennuyeux.
Les tensions grandissent et les gens changent. Pourquoi les amitiés les plus stimulantes sont-elles aussi les plus démoralisantes, se demande Virginia Woolf. Pourquoi tous ces jeunes gens vous faisaient-ils sentir que vous ne pouviez compter pour de bon? C'est qu'il n'y avait pas d'attirance physique entre nous. Combien de fois cette scène s'est-elle rejouée au flux des décennies? Des jeunes filles croient découvrir enfin une sorte krogalite avec des garçons homosexuels, qui libre parce qu'elle n'oblige plus à se soucier des convenances en est affeuse. On est d'accord pour s'en prendre aux vieux schnocks patriarcaux et phallocrates, et puis il y manque quelque chose. On ne peut pas faire intéressante comme disent les gouvernantes ce qui manque. Ce sont les jeux du désir d'Ol 1111. 1. D.L. Virginia Woolf. La malédiction du miroir est une malédiction mortelle. Pour Virginia, à Vian, Luz, raconte-t-elle, Lily Grey avait un petit miroir dans le hall. Vers 7 ans, E.L. Capri Rabbitit de 5 y regardait. Mars et ses gestes assortit immédiatement de homme et de culpabilisis. Vanessa et Nia et des garçons manquent 6. S.C. regarder était un manquement au code viril, mais plus gravement au code secret du puritanisme qui enjoint aux flics de S.C. métier de leur image. Nous ayons belle, et nous s'aimions la beauté, on nous avait appris à l'aimer. Sat pour ce qui concernait notre corps, les robes, les tissus, les atours, sauf pour C.C. qui concernait notre visage, s'étonne-t-elle, regardant non plus dans le miroir mais dans le rétroviseur. Cela m'a amené à penser que mon amour de la beauté a dû être freiné par quelque terreur ancestrale. Cela prouve que Virginia Woolf n'est pas née le 25 janvier 1882, mais des milliers d'années auparavant, et qu'elle a dû affronter dès le début des instances acquises par des milliers d'alleuls par le passé, un miroir dans le hall férof que je me regardais, quand un horrible visage, une teuté animale, est apparu derrière mon épaule jamais je n'ai oublié l'autre visage le hall, encore, et ses fantômes, il y avait une sorte de console. Une fois, j'étais encore route petite, Gérald 44-1, 11.01-1, me hissa dessus et se mit à explorer ma personne. Je me rappelle encore la sensation de sa main s'insinuant sous nive et tanque, je me suis senti rebuté, offusqué, et cela prouve qu'un sentiment concernant certaines parties du corps. Or, qui indique pas il s'est touché doit bien être instinctif les miroirs, dont les miroirs, à l'instar du petit miroir du hall de 1111, un imisque, parle d'autre chose que de l'apparence, us patient de paix ou de solitude, de violence. Its son bouche de verite, une bouche qui crache la mort. L'étoile de la dame dans le miroir, une nouvelle de 1927, donc contemporaine de la promenade au phare, est une femme de 55 ou 60 ans. Elle sort cueillir des fleurs, une branche de clématite, un volubilis, comme Mrs. Dalloway décidant de se charger des fleurs, comme Mrs. Ramsay contemplant ses dahlias, ou Lily Briscoe devant son jacmana. On a apport des lettres. Le courrier est ce qui vous donne la certitude qu'exister, la pile de lettres vous est adressée, on a pensé à vous, cela vous donne une existence objective. Il y a des tournesols dans le hall, encore les fleurs qui attestent le rapport au monde, la présence de la beauté et de l'être. Isabella, la narratrice, monologue sur le fait que nous ne la connaissons pas, que nous ne la connaîtrons jamais, elle est riche, sans doute, bien vêtue, elle pense à aller visiter les voisins. Elle est seule, dans son salon plein d'ombre, au milieu des 45-00 où il vidait Virginia Woolbot à pied des potiches personnes id les faire, in des dîners, elle haïti des visites, elle repensa des conversations, des 11-111, et un effet guida kunti, le vœu de 111-111 de Livy Kielka, ST 111, 11 flerk 111, 11 elle est en retsk, fil kuptin lich de C1, yimitk, li pense venir des choses elle, un homme de grade, I, E.L. se voit dans le miroir de rang ne, I, le miroir soudain des IRL ses voiles flottant de vie, de rang R, l'Adler Doug de la vie qu'en S0CK16, la protection misérable du sourire des UNC commercante. Tout l'Akita, image, robe, panier, tout ce qui a fait office de lierre et de volubilis. Il n'y avait rien, Isabella citait vide, ne pensait à rien, n'avait pas d'amis, ne se souciait de personne. Quant aux lettres, toutes des factures. Regardez-la, vieille, anguleuse, veinée, ridée. Avec son nez fier et son cou flétri, Isabella s'est regardée dans le miroir. Le miroir incarne la crudité de la vie qui s'écoule barbare. L'éclairage trop brutal. I, absence d'amour.
On a souvent accusé Virginia Woolf de ne rien connaître à l'amour, d'être asexuelle, puritaine, évanescente, consacrée à son art, et qu'elle paraconnait dans ses malheurs, et sa folie, amour, et paradoxalement amour dans le manage, est pourtant merveilleusement remise en scène dans Zurich, nouvelle à peu près inconnue, Lapin et Lapinova 46, T1, 1, 1, 11, 1, N1, KY Rosal invité de se marier avec Ernest. Dont il t'aime girl, ses pronoms 11 cm d'ici tiens et laisse ses dits ne ressemble pas son père sinon, il y ressemble qui un lapin. Elle l'aime soudain parse, sans on sait sans le savoir il fronce du nez. Alors il fait exprès ses fioncés le nu, étoile de rigorge de ploie, c'est lui, ignto, la voix ainsi, veut protubirant, mit pat équipe kndi et tremblot lapinova us mus son roi et reine. Fun monde secret entièrement couple de lapin. Et personne autour d'eux ne doit savoir plus et ces montes cornes mains et magiques existent. Et souvent Rosalind se demande comment elle survivrait sans ces mondes-là. Dans les dîners mortels dont sa belle famille s'enorgueillit, elle peut soudain revenir à la vie en métamorphosant la table dorée en lande couverte d'ajon, et transformer les convives si terrifiants en furets au museau tout crône. Elle est sauvée. Mais un soir, Ernest rentre du bureau et elle lui dit « Oh roi lapin, je traversais le ruisseau. » Art de dire des idioties, Rosalind, dit Ernest, US se dispute bientôt. Le royaume a disparu. Elle se roule en boule dans un coin du lit, comme un livre à peur. Au matin, elle ne reconnaît plus sa vie, comme si elle avait perdu quelque chose, comme si son corps avait rapetis, s'était durci, avait noirci. En se regardant dans la glace, elle a le sentiment que ses yeux sortent de sa tête comme les raisins d'un petit pain. Elle a 1, 0T1141, 1. Bien, 1, VIP.Nia Wall essaie de s'y revivre 1,1 l'Inde, elle sait Ruisco, elle sait Bois, Meria Pinova a dispirti, c'est Icti, Estefini, la 1,110,111 CS1,118, Hachi, Fest la 1,111 DCCC Niduyage un conclin Virginia Woolf LNTR 6F1 Hachi 7 puis un bon moment, à cette manière que les mariages offrent de Ymir. Parce qu'on ne sait plus jouer comment Virginia Stefan CST est devenue Virginia Woolf Virginia Stefan à 30 ans. On la croit condamnée au célibat. Mais, en 1912, elle épouse Leonard Woolf, l'homme qui sera son compagnon durant les 30 années suivantes. Le fonctionnaire colonial Leonard Woolf est fun des 9 enfants de Sidney Woolf avocat, juif libéral, homme cultivé et intelligent et de Marie de Jong, femme émotive et légèrement accaparante. Bien qu'ayant fréquenté Cambridge, il se sent, comme il le note lui-même, différent des membres de l'intelligentsia bourgeoise et aristocratique laquelle appartiennent ses condisciples, tels que Lytton Strachey, Clive Bell ou Toby Stephan. Fut-elle exclue de ces milieux, parce que, même si moi, et mon père y athée, vie, W.O. et avant moi, nous appartenions aux professions lipsirales, nous V.C. 111,011 secondes psin. Un pied cité un CRR, CR2L classe débouti, plié, Nils, nous n'y avions pas DR1.1, I dans la Ourjotsk, à Pérez 6 tuic petit il rate les examens de l'I-conction publique centime soric MVCRSLC service colonial, FN 1001, il part pour Ceylan, ici c'est psysième de quitter ses amis et d'essayer n'avoir pour autre perspective que de vivre et mourir dans ces pays atroces. On se prend cependant au jeu et s'y vit un excel comme administrateur, parlant tamoul et cingalais, sans toutefois être complètement dupe du système, il se décrit comme de plus en plus ambivalent, politiquement schizophrène, un anti-impérialiste qui jouissait des délices de l'impérialisme. De retour à Londres pour un congé d'un an en 1911, il y renoue avec ses anciens camarades de Cambridge, en particulier Lytton Strachey, qui a de grands projets pour lui. Guidé par ce dernier, Leonard Woolf commence à faire la cour à Virginia Stefan, dont il a bien connu le frère. Il dit avoir admiré la beauté de Toby, qu'il retrouve davantage dans les traits de Vanessa que dans ceux de Virginia. Mais qu'importe, après quelques promenades en tête-à-tête et des soirées à l'opéra, il finit par succomber au charme de Zéro la Chèvre. La scène se présente ainsi un homme d'une trentaine d'années, croyant sa vie fichue et ses espoirs réduits l'exil asiatique, et une presque vieille file, selon les cris, iti cro, pi, on le sait, ti, mtimi se serine mirs impossible clé, ictil iti si un point virgule un, pétique, riril, icrin,
-111,111 d'entente en PIM 1 Isr Sir NV 1111 N 11 elle s'était plu imite qu'un sémir l'en iron strachet ancien entourage son ami Léonard se lançait dans 0,01 111 ETC Vanessa la succure aînée sans dom lascre tam en vic et si souvent appelle sixième il est par ça fait de MCTNE Esplana de Siran Sandom se libler d'une xante culpabilite n'aurait jamais dû marcher. Et pourtant, son locter apprit la mort de leur père. Les enfants Stefan ont déménagé dans une maison située au 46 Gordon Square, inaugurant ainsi une série de résidences dans le quartier de Bloomsbury. Lorsque Vanessa épouse Clive Bell, le couple conserve Gordon Square, tandis que Virginia et son frère, Adrian, s'installent au 29 Fitzroy Square. Puis au 38, Brunswick Square qu'il partage avec Duncan Grant et Menard Kings, cesse tout naturellement comme locataire que Léonard entame ses entrées de vie commune avec Virginia. Dans un courtier date du 2 décembre 1911, ELK Intlic 51 la DOLJ 1111 pour 100 vie, 1, 1, vir, INIA W0011, au nouveau venu le montant du loyer et les horaires des repas site PR66, en post-scriptum, que la chambre, qui lui a cité, Cisal Triba Comportine Bibliothèque, Léonard Wolfo eut l'appartement le moins cher, y eut sommet de 1,1 I et la Lanofi, y envisage d'essayer donner sa émission aux affaires coloniales. Que citre est-il déjà en train de revenir sur une déclaration profondément pessimiste, qu'il faisait dans une lettre DAT 6e de 1907, que halte le bonheur, je ne croisais n'être jamais heureux. Même en Angleterre, Somar le 11 janvier 1912. Léonard Wolfe demande la main de sa propriétaire, Virginia Stefan. Y se prépare à fâcher et c'est lucide de sa part, car la jeune femme est loin d'être assommée par la puissance du coup de foudre. Elle réfléchit, craint beaucoup de le décevoir. Elle lui écrit, « J'ai parfois l'impression que personne n'a puni ne pourra jamais partager quelque chose. C'est à cause de cela que vous me trouvez semblable une montagne ou à un rocher. » Je dois vous donner tout, et si je n'y parviens pas, le manage ne serait qu'un second choix pour vous comme pour moi le manage, en lui-même, ne lui dit rien. On se range et voilà que sonne le glas de l'enfance et de la liberté 52 BR Virginia VIP, INIA W0, LI, dans une cure Vanessa, elle explique que l'idée du couple Lille en client guère cause de la lenteur qu'il implique. Comment garde la Inc ne allure alors que Lyon est deux, t'il a turpé de tout son poids d'isaille plutôt? Elle availle confiscis à son ami Emma Vaughan, la seule chose qui compte en ces mondes, c'est la musique, les livres et un ou deux tableaux je vais fonder une colonie oil le manage n'existera pas à mom que l'on tombe amoureux d'une symphonie de Beethoven c'est pourquoi elle propose à Léonard le pan suivant, nous aspirons tous deux à un manage formidablement vivant, toujours en vie, toujours chaud, non pas mort et facile comme la plupart des manages, nous attendons beaucoup de la vie, non, peut-être l'obtiendrons-nous, c'est ce qui serait splendide jusqu'où va se nicher le perfectionnisme, c'est un défi que se lance Virginia, fonder un couple différent, différent de celui de ses parents, différent de celui de sa sœur, quelque chose d'inédit, d'égalitaire, de moderne, elle exige que l'aventure naisse de l'institution la plus sclérosée qui soit, 7 ans après savoir épouse Léonard, elle note dans son journal et c'est la dernière ligne de René 1919, « Nous sommes le couple le plus heureux d'Angleterre, cette déclaration ne sera jamais démentie. » Le dernier écrit de sa main, datant du 28 mars 1941, est une lettre qu'elle adresse à Léonard avant d'aller se jeter dans 53 la double vie. « Ouf, vire, Inia Wolf à nous oh, je veux te dire que tu m'adormes si c'est un bonheur total. Personne n'aurait pu l'air que c'est ce que tu as fait. Elle ?» Personne n'aurait pu être qu'aussi bon cluturas et accent aigu, du tout premier jour jusqu'til jouroui. Tout tic monde le sait son huile, Hermione Lee, la biographe de l'écrivain, rapporte que Virginia Woolf appelait Léonard au mont juif et qu'à table elle disait volontiers donner sa nourriture aux juifs certains esprits chagrins croient bon. À cette occasion, d'agiter le drapeau de l'antisémitisme, pourquoi l'agite-t-on si souvent à contre-temps point? C'est tellement bête qu'on pourrait décider de ne pas en parler, mais c'est grave, de plaisant, et l'on se dit qu'il est urgent de balayer ce malentendu. En juin 1939, Virginia Woolf note dans son journal, « Je me dis,
La capitulation signifiera que tous les Juifs devront être libres. Camp de concentration. Alors nous irons au garage. Elle envisage un double suicide pour échapper à la déportation, parce que son mari est juif, parce qu'elle même se sent juive. Virginia est pourtant capable de dire et d'écrire des choses comme « Ils sont là, Ned juif qui, tout, Léonard 54 Virginia 1, un pied 111 N 20, 11, vire, Inia W 001, 1, étant un pied unique exception, aurait pu être noir sans que le monde s'emporte un, 1115 mat. Dans sa jeunesse, elle partagea les projets ospre sa classe, se lia et amide avec ceux, il est l'appel, li les N 6 opecne, chkuns amour cul de la nature qui a clié un inmuis même si te dit 111e. Pendant, et contrairement que, chez qui la haine persista, elle tenait ces genres de propos avec qui un manque n'alveta, puis celle qui lui les est acclarée dans son journal en sujet de la domeste. Mais la faute en incombe au système qui consiste à enchaîner deux jeunes femmes dans une cuisine pour qu'elles y partent sans, vétrarail et tirent leur vie de celle de deux personnes en salon, pas de mascarade, elle dit ce qu'elle pense, ou plutôt croit penser, car elle est la première à remettre en question ses paroles inconsidérées et à dénoncer son étroitesse et esprit. C'est ce qui fait son charme, c'est aussi ce qui la fragilise car, malgré sa susceptibilité, elle ne songe jamais à se protéger derrière des formules convenues, par ombre d'une tactique, pas la moindre tentative de séduction. En septembre 1920, elle note dans son journal « Zéro, il y a longtemps que je veux écrire une étude sur le retour de la paix, car, vieille, Virginia sera confuse à la pan et qu'elle n'était qu'une bavarde, qui parlait toujours des gens et jamais de politique à quelques mois de là, en février 1921, elle déplore, et puis la faculté de saisir la 55 vir, 1 n 11 à 111 pieds 111 n 1, 1 vf n u et vir, r n 1 a w 0011, Bloomsbury, team des conférences que Virginia Woolf donna au Memoir Club. R.C. Crivin évoque son plus ancien souvenir de Léonard. Nous sommes en 1901, elle n'y a pas encore rencontré si que lui qui deviendra son tenari. Son irtobilier panne de ses amis est hermétique par un, connard, tingarcon original, parcouru de ses tremblements, aussi remarquable à sa facon que belle et STI1C11CLJ juillet veut savoir pourquoi il tremble. Il refuse de s'accommoder de la msidiocrisis du monde, R.C. Pontobi qui trouve cela sublime, et Virginia, sa scrure, avoue des ânes sixième plus tures, fait prouver bien entendu le plus profond intérêt pour ces violents, ces tremblants misanthropes juifs qui avaient menace du poing la civilisation et allaient disparaître sous les tropiques, si bien qu'aucun de nous ne le reverrait plus, Léonard Woolf n'appartient pas à la bonne société londonienne. Virginia Stefan et Goy, leur union est une mésalliance. Peu étresse run des secrets d'un manager aussi. Son éditeur lors du 33e anniversaire de Virginia Woolf, Léonard et elle évoqueront l'idée de se procurer une presse. Quelques mois plus tard, ce fut chose flûte 57 I à Dubi, Florida Vie Virginia W, I Crassis par le reste, de S.I.T. Fratric, par L.C.S. et qui l'ont frappe enfant, mais qui tout clou paraissent des droitiers et sa resservons C.S.T. Selm qui six, Wilt, à un pied 6C. D.R.T. de la création il y a à la base un type étonnant qui s'appelle Bell, explique à Toby à son retour de Cambridge. C'est une espèce de mélange de Shelley et de gentilhomme campagnard sportif, lui n'est pas très sculptive, mais quand il découvre la poésie, plus rien ne la rote. Il devient fou et n'ouvre plus la bouche que pour reciter des poèmes de Yeats et de Shelley. Et puis il y a Lytton Strachey, dit le Strach, la culture même, Bloomsbury, ce sont avant tous les jeudis de Bloomsbury, où la ville jurée palpitante des sœurs Stefan apparaissent la mort de leur père en 1904 et jusqu'au manage de Vanessa avec le dit Clive Bell, en 1907. Pour décrire leur maison du 46, Gordon Square, la joyeuse vie qu'on y menait, toute convention jetée par-dessus les moulins, une vie consacrée à oublier les contraintes de la précédente, à discuter, à furner, à boire du café et du whisky, à changer le monde, à vivre le plus abstraitement possible, à chercher la meilleure 41.14411 firf de pied, 44x444, 41.t, la dot 11111i, VLDF, Virginia Woolf définition de la béatite en soi, centimes elle peindre les murs de couleurs vives.
Virginia RCP CNSC Tinsen minuscule 0 Liport s'ouvre IH longue et saistre silhouette de liton se tastir casque une 11 montra du doigt tintage sur H robe blanche de Vanessa du sperme cut il tout le monde s'éclata de rire. It ni aveden qu'on ne pétait dire, rien qu'on ne pécilère au 46, Gordon Square. C'était la vie des étudiants, une vie à laquelle Vanessa et Virginia n'avaient pu avoir accès que leur offraient les amis de Toby, qui étaient devenus leurs propres amis. Cela ne pouvait durer toujours, mais cela influença profondément leur vie à tout. Et les jeudis de Bloomsbury, ces soirées que déplorait totalement Henry James, les flux de son ami Leslie avaient vraiment des fréquentations détestables de verre à mythe. À propos des copains de son frère, Virginia n'est jamais en mets de remarques élogieuses. Du genre, je n'avais jamais vu de jeunes gens aussi miteux, aussi dépourvus de beauté physique, et c'est justement ce côté minable qui était une preuve de leur supériorité. Arrive bientôt Roger Free, les poches pleines de livres, de pinceaux, de boîtes de peinture, d'objets divers. Roger, avec qui la première discussion porte sur le Marie-Claire de Marguerite Audoux, et d'un camp grand, une sorte de clochard peintre qui semble ballotte au gros du vent mais atterrit exactement où il veut. Morgan 42-1, un IAI, MSIT de Joseph Iresis, toujours force T, papillon bleu pile, U entre Terra INS et Mavilirkens, saison 1, Tolstoland 2, centimes implacables, Liband, et ton Zitney, Véantin, Honor Wolf d'un type qui tremble de la thé, Théorier. Toby prétend que c'est à cause de sa nature si sauvage, si violente, à cause de sa manière de détester le genre humain. Comme on le voit de manière si saisissante au flux des chapitres des vagues, le temps passe. Ce qui était exaltant au jour des commencements devient ennuyeux. Les tensions grandissent, et les gens changent. Pourquoi les amitiés les plus stimulantes sont-elles aussi les plus démoralisantes, se demande Virginia Woolf. Pourquoi tous ces jeunes gens vous faisaient-ils sentir que vous ne pouviez compter pour de bon? C'est-ce qu'il n'y avait pas d'attirance physique entre nous? Combien de fois cette scène s'est-elle rejouée au fil des décennies? Des jeunes flux croient découvrir enfin une sorte d'égalité avec des garçons homosexuels, qui libèrent parce qu'elles n'obligent plus à se soucier des convenances on est à raise. On est d'accord pour s'en prendre aux vieux schnocks patriarcaux et phallocrates et puis il y manque quelque chose, on ne peut pas faire l'intéressante comme disent les gouvernantes ce qui manque, ce sont les jeux du désir 43-1, LL1-IAI Virginia W0011, la malédiction du miroir est, mais mal si diction mortelle pour Virginia, H.I. 111,111, 1 Illouze, raconte-t-il, il y avait un petit miroir dans LCI 11, VCRSSCPT en, clic prit l'habitude de S, c'est regardé, mais c'est sexte sa sortir non immédiatement d'essai au méculpa élite. Vanessa centime Virginia était des garçons manque 6 secondes. Ses regards crétaient un manquement au code viril, mais plus gravement au code secret du puritanisme qui enjoint aux idoles de se méfier de leur image. Nous ayons belle, et nous aimions la beauté, on nous avait appris à l'aimer. Sauf pour ce qui concernait notre corps, les robes, les tissus, les atours, sauf pour ce qui concernait notre visage, s'étonne-t-elle, regardant non plus dans le miroir mais dans le rétroviseur. Cela m'a amené à penser que mon amour de la beauté allait s'y être freiné par quelque terreur ancestrale. Cela prouve que Virginia Woolf n'est pas née le 25 janvier 1882, mais des milliers d'années auparavant, et qu'elle a dû y affronter dès le début des instincts acquis par des milliers d'alleuls par le passé, un miroir dans le hall, j'ai refait que je me regardais, quand un horrible visage, une tête animale, est apparu derrière mon épaule. Jamais je n'ai oublié l'autre visage, le hall, encore, et ses fantômes, il y avait une sorte de console. Une fois, j'étais encore route petite, Gérald 44 me hissa dessus et se nua à explorer ma personne. Je me rappelle encore la sensation d'essayer sa main s'insinuant sous mes vêtements gis et me suis sentir butée, offusquée. Et cela prouve qu'un sentiment concernant certaines parties du corps qui n'allait pas laisser toucher doit bien être instinctif les miroirs. Tous les miroirs, à l'instar du petit miroir du hall de Town Dodds, parlent d'autre chose que de l'apparence. US parle de peur, de solitude, de violence. US son bouche de verite, une bouche qui crache la mort neurone de la dame dans le miroir, une nouvelle de 1927, donc contemporaine de la promenade au phare, est une femme de 55 ou 60 ans. Elle sort cueillir des fleurs, une branche de clériatite, un volubilis, comme Mrs.
Dalloway de Sidan de se charger des fleurs, comme Missis. Ramsay contemplant ses dahlias, ou Lily Briscoe devant son Jacmana. On a apport des lettres. Le courrier est ce qui vous donne la certitude d'exister. La pile de lettres vous est adressée. On a pensé à vous. Cela vous donne une existence objective. Il y a des tournesols dans le hall. Encore les fleurs qui attestent le rapport au monde, la présence de la botte et de l'être. Isabella, la narratrice, monologue sur le fait que nous ne la connaissons pas, que nous ne la connaîtrons jamais. Elle est riche, sans doute. Bien veux-tu, elle pense à Alter visiter les voisins. Elle est seule, dans son salon plein d'ombre. Au milieu des 45 la d'oubli, vie, dit Virginia Woolp et beau lapis et des potiches persanes bleues. Elle est faire 6 points des dîners, dit lieu des visites. Elle repense à des conversations, des amours qu'elle a connues, le vœu même de la vie. Elle s'est indifférente, clique s'est curieuse. Elle coupe une tige de clématite. Elle pense à la vanité des choses. Elle est toute de grque. Elle se vide dans le miroir de l'entrée. Le miroir soudain déchire le voile flottant de vie, de revin. La chair douce de la vie en ce site, la protection misérable du sourire d'une commerçante. Tout la quitta, nuages, robes, paniers, tout ce qui avait fait office de lierre et de volubilis. Il n'y avait rien, Isabella était vide, ne pensait à rien, n'avait pas d'amis, ne se souciait de personne. Quant aux lettres, toutes des factures. Regardez-la, vieille, anguleuse, veinée, ridée, avec son nez fier et son cou flétri, Isabella s'est regardée dans le miroir. Le miroir incarne la crudité de la vie qui s'écoule barbare. L'éclairage trop brutal, l'absence d'amour. On a souvent accusé Virginia Woolf de ne rien connaître Ramour, d'être asexuelle, puritaine, évanescente, consacrée à son art, et qu'elle paraconnait dans ses malheurs, et sa folie. L'amour, et paradoxalement l'amour dans le manage, est pourtant merveilleusement mis en scène dans une nouvelle à peu près inconnue, Lapin et Lapinova, du 1, 4, 1, Effri, Homsbury Rosa l'invité de ce Markt, avec Ernest, dont elle n'aime guère que le pronom. Il curieusement elle se dit ne ressemble pas à son pronom. Il y ressemble à un lapin. Elle l'aime soudain parce que sans le savoir il fronce du nez. Alors il fait exprès de froncer le nez, et tout de rire à gorgerio. Et lui, bientôt, la voit ainsi, yeux protubrant, petite patte qui pendille et tremblote Lapinova US MES son roi et reine d'un monde secret entièrement peuple de lapins. Et personne autour d'eux ne doit savoir que ce monde corne-main et magique existe. Et souvent Rosalind se demande comment elle survivrait sans ce monde-là. Dans les dîners mortels dont sa belle famille s'enorgueillit, elle peut soudain revenir à la vie en métamorphosant la table dorée en lande couverte d'ajoncs, et transformer les convives si terrifiants en furets au museau tout crotte. Elle est sauvée. Mais un soir, Ernest rentre du bureau et elle lui dit « Oh roi lapin, je traversais le ruisseau. » Art de dire des idioties, Rosalind, dit Ernest US se dispute bientôt. Le royaume a disparu. Elle se roule en boule dans un coin du lit, comme un livre à peur. Au matin elle ne reconnaît plus sa vie, comme si elle avait perdu quelque chose, comme si son corps avait rapetisse, elle s'y était durcie, avait noirci. En se regardant dans la glace, elle a le sentiment que ses yeux se régalent de sa tête comme les raisins d'un petit pain. Elle y a un, 0 LIKLI pour 100 vie 1, un VITC, INIAW, un essai de l'air revivre la linde, le ruisseau, le bois, mais Lapinova a disparti. Le jeu est l'un Ramour CST mort. Et CST la fin de CC Manage-là, conclut Virginia Woolf. Elle réfléchissait depuis un bon moment, à cette manière que les managers ont de finir. Parce qu'on ne s'était plus jolté comment Virginia Stefan est devenue Virginia Woolf Virginia Stefan à 30 ans. On la croit condamne 6e au célibat. Mais, en 1912, elle épouse Leonard Woolf, l'homme qui sera son compagnon durant les 30 années suivantes et le fonctionnaire colonial Leonard Woolf est l'un des 9 enfants de Sidney Woolf, avocat, juif libéral, homme cultivé et intelligent et de Marie de Jong, femme émotive et légèrement acquéparante. Bien qu'ayant fréquenté Cambridge, il se sent, comme il le note lui-même, différent des membres de fin intelligentsia bourgeoise et aristocratique laquelle appartiennent ses condisciples, tels que Lytton Strachey, Clive Bell ou Toby Stephan. J'étais exclu de ce milieu, parce que, même si moi, et mon père 49 l'a invivi, Virginia Woolf avant moi, nous appartenions aux professions libérales, nous venions pas,
un Nicrgé de la classe des bouquets juifs. Nous n'avions pas de racines dans la bourgeoisie apéresse des études PCU brillantes. Il rate les examens de la fonction publique et s'oriente vers le service colonial. En 1904, il part pour Ceylan, de Zesp 6e de quitter ses arniers et de n'avoir pour autre perspective que de vivre et mourir dans ces pays atroces. Il se prend cependant au jeu et devient un excellent administrateur, parlant tamoul et cingalais, sans toutefois être complètement dupe du système. Il se décrit comme de plus en plus ambivalent, politiquement schizophrène, un anti-impérialiste qui jouissait des délices de l'impérialisme. De retour à Londres pour un Cong 6 d'un an en 1911, il renoue avec ses anciens camarades de Cambridge, en particulier Lytton Strachey, qui a de grands projets pour lui. Guidé par ce dernier, Leonard Wolfe commence à faire la cour à Virginia Stephan, dont il a bien connu le frère. Il dit avoir admiré la beauté de Toby, retrouve davantage dans les traits de Vanessa que dans ceux de Virginia. Elle qu'importe, apparaissent quelques promenades en tête-à-tête des soirées à l'opéra, et y finit par succomber au charme de la chèvre. La scène se pressent ainsi, un homme d'une trentaine d'années, croyant sa vie fichue et ses espoirs réduits l'exil asiatique, et une presque vieille flûte, si on l'écrit 50 vire, Inia Iviu, HNIAW0011, tour de l'époque. Collectionnant s'amours impossibles et recelant systématiquement KS demande en mariage. P. Tre célibataire vinculant, si cricle, être une rate sans enfant, et mknse, en plus, pas même écrivain n'est pas EMC tous les jours. Le couple idéal, en somme. Lytton Strachey, ancien soupirant, encourage son Aléonard à se lancer dans la concte. Vanessa, la sœur aînée, sans doute lassée être renvie et si souvent appelée à l'aide par sa cadette, fait de même, espérant sans doute se libérer d'une pesante culpabilité, ça n'aurait jamais d'essayé marcher. Et pourtant, son locataire apparaisse la mort de leur père, les enfants Stephan ont déménagé dans une maison située au 46, Gordon Square, inaugurant ainsi une série de résidences dans le quartier de Bloomsbury. Lorsque Vanessa épouse Clive Bell, le couple conserve Gordon Square, tandis que Virginia et son frère, Adrian, s'installent au 29, Fitzroy Square, puis au 38, Brunswick Square, Gull partage avec Duncan Grant et Menard Kings. C'est tout naturellement qu'on locataire que Leonard entame ses années de vie commune avec Virginia. Dans un courrier date du 2 décembre 1911, elle indique qu'il vieillit cassé, il n'y a oui au nouveau venu elle ses montants du loyer centime les horaires des repas. Elle précise, en post-scriptum, lu, la chambre qui lui a cité six attributs à comport, UNC bibliothèque. Leonard Wolfe occupera appartement et c'est moins cher. Au sommet de là, il envisage de dormir sa émission aux affaires coloniales. Peut-être est-il, 160 en train de réfléchir sur la une déclaration profondément pessimiste, faisait dans une lettre datée de 1907, quant au bonheur, je ne crois pas être jamais heureux. Même en Angleterre, son mari le 11 janvier 1912. Leonard Wolfe demande la main de sa propriétaire, Virginia Stephan. Il se prépare à fâcher et c'est lucide de sa part, car la jeune femme est loin d'être assommée par la puissance du coup de foudre. Elle réfléchit, craint beaucoup de le décevoir. Elle lui écrit, « J'ai parfois l'impression que personne n'a pu ni ne pourra jamais partager quelque chose. C'est à cause de cela que vous me trouvez semblable une montagne ou à un rocher. Je dois vous donner tout, et si je n'y parviens pas, le manage ne serait qu'un second choix pour vous comme pour moi le manage, en lui-même, ne lui dit rien. On se range et voilà que sonne le glas de renfance et de la liberté 52.1 RT 42.1.4 R.A.14.440 T.A.K.C.0.44 R.A.11.I.N.I.N.S.U.N.C. Les traits Vanessa. Elle explique tic l'urier du couple tic l'enchant pire, ans de la lenteur qu'il implique. Comment garder un fille à l'heure alors que l'on est deux, PLC la turque pèse de tout son poids. 10 ans plus tôt, elle avait qu'on y cesse son ami Emma Vaughan, là c'est le chaos qui compte quand c'est ses mondes, c'est la musique, les musiques, hic livre et à nos deux tableaux. V fondé une colonie quand il manage n'existera pas un homme que l'on tombe amoureux d'une symphonie de Beethoven. C'est pourquoi dit proposa Léonard le pan suivant, nous aspirons tous deux à un manage formidablement vivant, toujours en vie.
Toujours chaud, non pas mort et facile comme la plupart des managers. Nous attendons beaucoup de la vie, non, peut-être l'obtiendrons-nous, ce qui serait splendide. Jusqu'où va se nicher le perfectionnisme, c'est un défi que se lance Virginia. Fonder un couple différent, différent de celui de ses parents, différent de celui de sa SC, quelque chose d'inédit, d'égalitaire, de moderne. Elle exige que l'aventure naisse de l'institution la plus sclérosée qui soque. 7 ans après savoir épouse Léonard, elle note dans son journal et c'est la dernière ligne de Farm et 1919. Nous sommes le couple le plus étreux d'Angleterre. Cette déclaration ne sera jamais démentie. Le dernier écrit de sa main, datant du 28 mars 1941, est une lettre adressée à Léonard avant d'aller se jeter dans 53 IADOUIAVI DR VHIZ INIA W001 1 Louse, J. Sefcusis, Antique, PLC, tu m'adonnes si c'est un bonheur total. Personne n'aurait JN hier XCC, PLC, tu as fiti. Personne t'aurait aussi bon que tu ras si t'es 6. Du tout au premier jour jusqu'au jour d'un petit. Tout le monde LC Salt. Son juif Hermione Lee, la biographe de Recrivain, rapporte que Virginia Woolf appelait Léonard mon juif et qu'à table elle disait volontiers donner sa nourriture aux juifs. Certains esprits chagrins croient bon, à cette occasion, d'agiter le drapeau de l'antisémitisme. Pourquoi l'agite-t-on si souvent à contre-temps point? C'est tellement bête qu'on pourrait décider de ne pas en parler, mais c'est grave, de plaisant, et l'on se dit qu'il est urgent de balayer ce malentendu. En juin 1939, Virginia Woolf note dans son journal. Zéro je me dis, la capitulation signifiera que tous les juifs devront être libres. Camp de concentration. Alors nous irons au garage, elle envisage un double suicide pour échapper à la déportation, parce que son mari est juif, parce qu'elle même se sent juive. Virginia est pourtant capable de dire et d'écrire des choses comme « Us sont là, 9 juifs qui, tout, Léonard 54 Virginia S. 1111 N. Virginia W. 001, 1, étant est unique exception. Aurait pu être noir 6 secondes sans que le monde est sans bonne plume N dans sa jeunesse, qui partagea les préjuges propres à sa classe, ce adamitisis avec ceux appelés les N. 6 opalants. Jeunes amoureux de la nature qui erctaient un antisémitisme méthodique. Cependant, et contrairement à eux, chez qui la haine persista, elle tenait ce genre de propos avec la même naïveté que celle qui lui faisait déclarer dans son journal au sujet de la domesticité mais la faute en incombe au système qui consiste à enchaîner 2 jeunes femmes dans une cuisine pour qu'elles y, par sang, y travaillent et tirent leur vie de celle de 2 personnes au salon, pas de mascarade, elle dit ce qu'elle pense, ou plutôt croit penser, car elle est la première à remettre en question ses paroles inconsidérées et à dénoncer son étroitesse d'esprit. C'est ce qui fait son charme, c'est aussi ce qui la fragilise car, malgré sa susceptibilité, elle ne songe jamais à se protéger derrière des formules convenues, pas l'ombre d'une tactique, pas la moindre tentative de séduction. En septembre 1920, elle note dans son journal, « Dès il y a longtemps que je veux écrire une étude sur le retour de la paix, car... » Vieille, Virginia sera confuse à Lapin et qu'elle n'était qu'une bavarde, qui parlait toujours des gens et jamais de politique à quelques mois de là, en février 1921, elle déplore, et puis la faculté de salsa la 55 vie, Monsieur Vieu, Inia W001, 1, port et des lois des CHI, ont un ILU et ont TCH Tchécoslovaque, par exemple qu'est-il TMCFA8, importante, en tout cas elle ne magé. 116 C6,6 octroi 6e. C'est avec elle c'est me MCO à tircle. Xarmant exprime le sentiment. Il s'est stupur qu'elle s'y prouve la sale exotisme de Léonard, mais surtout de la famille Wolf dans son ensemble. En particulier lorsqu'il offre en cadeau, une tranche de poisson en faux cuivre appartiennent à une classe différente et ne partage pas ses canons esthétiques. Elle la rend curieuse US ragaçant, US l'exaspérant parfois, et c'est avec humour qu'elle dresse le portrait de sa belle famille. Un humour qui lui joue des tours. Cela ne l'empêche pas de s'indigner du racisme de certaines de ses fréquentations. Ainsi, dans une lettre sa sœur datée de février 1919, elle s'en prend à Lady Cromwell, laquelle se plaignait que les juifs russes fussent partout et s'apprêtassent à décimer les bons citoyens anglais. Virginia déclare avoir été sur le point de s'autoproclamer juive russe dans la seconde, mais confie avoir garde cette provocation pour une prochaine rencontre. Quant à Léonard,
Il apparaît davantage comme un produit de Cambridge que comme l'héritier d'une culture religieuse, même s'il ne nie jamais ses origines. C'est un jeune homme extrêmement intelligent, d'une grande délicatesse, mais violent aussi. Dans le vieux Vironia et fin pied 111, NVNILIRP, HNIAVO, I, F. Bloomsbury, TIN des Conférences, PC Virginia Woolf Donahoe Memoir Club, LC Crivasi évoque son plus atticien souvenir de Léonard. Nous sommes en 1901, Click n'a pas encore rencontré Dewey qui deviendra son mari. Son frère Toby lui parle de ses anus centimes thermitiques Paris, connard, un garçon original, Pat Cone de tremblement, aussi remarquable à sa facon que Belle Centime Strachet, un N juillet. Virginia veut savoir pourquoi il tremble. 11 refuse de s'accommoder de la médiocrité du monde, R.C. Pontobf qui trouve cela sublime, et Virginia, sa socure, avoue des années 6e plus tard. J'éprouvais bien entendu le plus profond intérêt pour ce violent, ce tremblant misanthrope juif qui avait menacé du poing la civilisation et allait disparaître sous les tropiques, si bien qu'aucun de nous ne le reverrait plus. Léonard Wolfe n'appartient pas à la bonne société londonienne. Virginia Stefan et Goy, leur union est une mésalliance. Peu étresse run des secrets d'un manager aussi. Son éditeur Lars du 33e anniversaire de Virginia Woolf, Léonard et elle évoqueront l'idée de se procurer une presse. Quelques mois plus tard, ce furent chose faite 57 L1, 01 311 FI1, V110, INIA W, 1,1, et leur carissivé. F.C. Dittkur s'ouvrit avec la publication de deux nouvelles points secret centimes imprimes 6e par Virginia Woolf et L.S. Woolf. Ainsi était porte Stier la couverture. La marque Stier L.C. Muret 3 Juifs constituait le premier volume de la Flogart Press. Avant cela, Virginia Woolf avait été publiée par son demi-frère, Gérald Duckworth, qui avait édité La Traversée des Apparences en 1915 et son deuxième roman, Nuit et Jour, en 1919. On ne peut s'empêcher de se demander ce qui serait advenu de la carrière d'écrivain de Virginia si elle n'avait eu l'occasion de se détourner de ce premier éditeur. Outre que Gérald se montrait froid et plutôt distant avec elle, leur relation était compliquée par le fait qu'il avait, comme son frère aîné, George, abusé d'elle alors qu'elle était enfant. La Hogarth Press marque un nouveau départ dans la vie des Woolf. C'est aussi l'inauguration d'un rapport inédit entre les deux époux. Virginia écrit et Léonard lit. Même si Léonard écrit aussi de son côté, publiant plusieurs essais et œuvres de fiction, les rôles sont assez clairement définis. Léonard souligne que Virginia est un génie, alors qu'il se considère lui-même comme quantité négligeable. Ainsi il écrit à la fin de son autobiographie Le Monde d'aujourd'hui et l'histoire de la fourmilière humaine durant les 50. Ces dernières années seraient exactement les mêmes si j'avais joué au ping-pong ou vire. Inya et fait fin pied 111 NVIP, Inya ou élève des, puis Virginia Ra 11161. C'est un roman, Léonard s'en empare et le lit, tonique vitesse mais aussi très attentivement. Elle attend son jukme, elle s'y redoute, espère un miracle. Chaque F, Is, le miracle a lieu. Léonard sort de son bureau et s'exclame c'est excellent, un chef d'œuvre, ce que tu as écrit de mieux. Chaque fois, ELK le croit, mais apparaît tout. Peu est-ce vrai. La Chambre de Jacob est le premier roman de Virginia à être publié par la Hogarth Press. C'est, selon elle, une œuvre expérimentale dont elle admet fort bien qu'elle puisse troubler ou ne pas être comprise. Toutefois, ce genre de considération n'entre pas en compte dans la décision de faire paraître un livre chez ses éditeurs hors du commun. Malgré des difficultés récurrentes, personnel insuffisant, commandes trop nombreuses, manque de moyens, US ne renonceront jamais à l'outil de travail étonnant que constitue la presse. Acquise au départ pour occuper Virginia et apaiser ses troubles psychologiques, elle apparaît très vite, à fun comme à l'autre, pour ce qu'elle est en réalité un irremplaçable instrument de liberté. Dans les vagues, Virginia Woolf nous offre un portrait de Suzanne qui pourrait aussi bien être celui de Léonard. Suzanne est née pour être adorée des potes, car les potes ont besoin de sécurité. Ils ont besoin d'une femme qui reste à six coudres, qui égale à le 59 IA 1, 01, 111 I, VI, I, IVITC, INIA WC, IR ou qui est passionnamment, qui HHI particulière même agréable, ni particulière même riche, mais qui s'accorde par certains de ses calices et secondes I7 simply haute boat,
C'est ces grands styles que l'épôtre rend tout au médaillon ordinaire sur lequel s'affichent les sourcils fronds du grand pote en premier plan et le sourire paisible de son épouse, au second, repensé sécamé inverse au le visage, tantôt farouche, égal à tout cingle, de la potesse occupe presque tout l'espace, tandis que, dans le fond, rediteur, l'époux, l'infirmier compte les caractères, les années, les cachets. Son infirmier dans un texte consacré à Virginia Woolf, Cynthia Ozick, romancière et essayiste américaine, dresse le portrait de ce couple peu ordinaire. Elle décline, pour cesser faire, une série de légendes caractérisant leur relation, comme le juif et la crème de l'establishment britannique ou le moine et le pote, et tente, entre autres choses, de comprendre et analyser les conditions de possibilité d'une union aussi stable et aussi durable entre deux êtres évoluant aux armes de Bloomsbury, capitale du bohémianisme, bastion de la liberté sexuelle, laboratoire de toutes les trahisons et de tous les ex. Virginia IN 1, VRN 11, Virginia W0, I, l'UNC des hypothèses propos 6e par Cynthia Ozick et R6 somme 6e dans Zick TRC à My Woman and the Nurse, la folie qui est son intérimier, ma colique m'a sauvée, écrit Virginia dans une lettre Jacques Ravra. Elle explique à son amie que tous les enfants Stefan sont difficiles, froids, complicity, critiques et armes d'un goâtre austère. Être sain d'esprit aggrave encore les choses. Ce qu'elle appelle sa folie lui permet de concilier la vie communautaire aux sœurs des hybridées de Bloomsbury avec un certain puritanisme induit ou non par les violences sexuelles subies dans l'enfance. Elle sait qu'en choisissant Léonard, elle sera à l'abri des menaces psychologiques et de la tentation d'une vie de rugle n'aurait pas supporté. Ayant été élevée comme une puritaine, c'était la tendance qui dominait, mais j'ai quand même bénéficié d'une arrière-grand-mère franquesse pour adoucir tout ça. Je me réchauffe les mains aux charbons ardents de ces hommes flamboyants. Souvent je me dis que j'aurais aimé épouser un chasseur de renards, l'homme flamboyant qu'elle évoque dans cette autre lettre à Jacques Ravra et Clive Bell, le main de Vanessa avec qui elle eut une idylle platonique. Tout en étant attirée par des hommes de son acabit, elle sent mal, sentant qu'il représente un danger. Aux chasseurs de renards, aux machos, aux coureurs de jupons, elle préfère celui qu'elle appelle ça, Florida Anaflust. Et qui, avec tout le sérieux que l'on reconnaît à son animal 61-1, Onskari 1,11-1, vir.1iaw001 enigmatique, est-ce capable de tordre le cou au serpent et de veiller Styrel. Quand il est honnard, il ne se sent pas particulier qu'Mknares dans LC climat de libertinage propre comme Tinatisis. Il y est donc salutaire pour lui de pouvoir se retrancher dans un dévouement excessif à son épouse. Que justifie son extraordinaire fragilité. Outre arrangement, que ce manage constitue pour les deux partenaires, Cynthia Ozick met en lumière une particularité dans l'attitude de Léonard qui retient davantage son attention. La conscience de vivre au code d'un jeune illettraire et la responsabilité qu'elle y impédique. Les crises graves ne constituaient pas loin de là le quotidien des Wolves. Mais leur manage avait été presque aussitôt suivi d'une dépression longue et violente qui ne devait cesser de menacer leur commune tranquillité d'esprit. Il existait une sorte de marche tacite entre Léonard et Virginia que pourrait résumer le dialogue suivant. V, d'accord, je suis folle, mais j'écris les plus beaux livres qui soient. L, je sais que je tombe avec toutes mes recommandations, mais c'est pour le bien de recevre. Il y arrivait que Virginia s'assurge contre les soins excessifs et les restrictions imposées 6e par Léonard. Cependant, les lettres s'étalant entre décembre 1913 et juin 62 Virginiaf, PHF, NDVNTRR, Virginia Woolf 1914, au plus noir d'essai la décipression, rendent justice cette relation complexe, mais remarquablement si égalitaire. Imandu mongosu felicissimu, je pourrais écrire cette lettre dans un beau latin et argent, mais alors mon petit tas de fourrure poussiéreux et perfide ne pourrait la lire. C'est à te rendrait-il très vaniteux si je te disais que je t'aime davantage que jamais depuis que je pris à mon service, et que je te trouve beau et indispensable, je sous-signais, mandril sarcophagu felicissima var, rarissima, rerum natura simplex, alias Virginia Woolf, jure que, les 16, 17 et 18 juin, je reposerai sur le dos, la tête sur les coussins, pendant une demi-heure à péresse le déjeuner. Je mangerai exactement autant que si je n'étais pas seule.
3. Je serai couché à 22h25 chaque soir et je m'endormirai aussitôt. 4. Je prendrai mon petit déjeuner au lit. 5. Je boirai un plein verre de lait le matin. 6. Dans certaines circonstances, je me reposerai sur le sofa, ne me promènerai ni dans la maison ni dehors, jusqu'au retour de l'animal illu miserisimu, mangustu communi. 7. Je serai sage. 8. Je semi-heureuse. Signe, mandril sarcophagu felicissima var. Rarissima, RNSVW 16 juin 1914. Et je jure avoir respect chacun de ses engagements. Signe, mandril sarcophagu EVRRNSVW 19 juin 1914. La malade s'amuse, la malade est consentante 63-1-011-VI1-IO. Il y a la lumière de CSC partage, les rôles. Le suicide de Virginia Woolf apparaît presque comme nictine dénonciation du contrat lien C. Craignait de perdre nouveau la raison et d'imposer d'intocrable que soit l'IFA Léonard. Je sème, PC je suis allé trop loin cette fois pour revenir zéro, elle crie. Elle casse arme quelques jours avant la noyade, mais le pire, le plus intolérable, c'est qu'elle ne parviendra pas, cette fois, à écrire pour se racheter. La Seconde Guerre mondiale s'est installée, la barbarie semble favoir remporte, l'avenir est englouti par un pressant monstrueux et vorace. Virginia y voit la fin d'un monde. Comment écrire si le futur n'existe pas les lettres? CC sans nos OTAI, nos tuteurs. F1 et un CS tisknte rang DC ne jotirent et font de la victime sphère que par une carte pour 2014. Et pour quand nous dînons en idle, plus nous serrant qu'à bout des doigts, nuls exprirent non poir de nous revoir bicnto, ici Wheeler, un dôme s'insinue. Essien la faune d'emplové nos jours, si compte, si limite, leur distribution si rapide à prendre le de à dîner en vime, et les billets s'accumulent. Et les téléphones sonnent, et partout où nous allons, des fils de fer et des tubes nous entourant, porteurs de voix qui tentent de pénétrer avant que soit distribuée la dernière carte, que son soc fait de nos jours. Sans quart, la vie s'éclaterait en morceaux quelques mots, juste quelques mots, pour que tu aies cette lettre ce soir, et je t'en prie, écris, écris vite. Les lettres innombrables que Virginia Woolf recoit et envoie tous les jours semblent toujours hériter recul à la volée, dans l'impatience, la bousculade, et l'inquiétude aussi. Les phrases vont vite, les idées se télescopant, le coq à l'âne devient figure de style. Il s'agit d'attraper la vie, de consoler un ami, de raconter vite, vite, en dîner, une blague, un problème littéraire, une grippe, de poser un tas de questions. Vas-tu bien? Es-tu heureuse? Dans une lettre de 1927 à Vita Sackville-Ouest, la romancière rencontrée chez Clive Bell en 1922, qui devint son amie pour la vie et sa maîtresse durant quelques années, elle déclare « Na, tu veux jamais être frappée de ce que nos amitiés ne sont que de longues conversations sans cesse interrompues et portant eux au doubli. Vie, monsieur Virkni à jour stir le na et me stigation et le crson avec la cité l'on se trouve, ave, lit-on, j'y s'y parle de ses lectures, avec div d'amour, afknxa, igcns, afkrojedar, avec Morgan Kriturk. Et CC n'est jamais la mère de Virginia. CC soin d'inventorier LCS Arni, de faire le bilan, n'est pas nouveau. En 1919, elle se demandait, corne bien et je d'amiri à Liton Strachet, le seul auteur des éminents victoriens, le rival éternel et académique, toujours amical et toujours le jurement condescendant. Liton qui jamais ne comprendra le travail de Virginia. Mais tant pis, il me rappelle une libellule qui rend visite aux chevrefeuilles et aux dahlias puis se pose en équilibre sur une terre cassée. Carrington Herald joue le rôle de la terre au chapitre Cambridge de sa vie, il y a Desmond McCarthy qui a besoin de son verre de Yin, Saxon Sidney Turner, l'ami intime de Toby, avec ses rhumatismes et ses amours sans espoir. Puis vient l'époque Fitzroy Square, marquée par l'apparition de Duncan Grant. Dans le groupe place sous le signe de Brunswick Square, il y a, avant tout, Clive Bell que je m'épare, dit-elle. Plus tard surgissent les têtes de loup, Dora Carrington, ramoureuse marre de Lytton Strachey et Gérald Brennan, amoureux de Carrington, à qui sans ITRES, la VIL, LI, RAIFN mot de point. Faux Virginia va écrire certains de ses plus belles lettres. Menarkins, Mick Strachey, David Garnett, dit Bunny, et puis les figures permanentes de son théâtre Roger Free, Otoline Morel, et T.S. Eliot. En 1922,
Elle reprend la liste. Admettons que je me les représente comme un groupe de statues de marbre avec moi au milieu, et voici que l'un s'approche et qu'un autre mule au loin. Desmond McCarthy y roule dans un coin. Le marbre de Lytton, lui, est tout proche. Je crois qu'il a deux sides, du fait de sa notoriété, de se cramponner à nos deux rocs et ses amis en constituent un. Je suis en excellent terme avec Clive, avec Ménard, avec Mary. Elle ne panne plus de Violet Dickinson, ni de Madge Vaughan. Elle se met à correspondre beaucoup avec Vita Sackville-West, avec Mary Hutchinson, bientôt avec Ethel Smith. Certains entrent dans la liste, certains en sortent. Les lettres sont un baromètre. Sans lettres, Virginia se morfond. Comme le note Bernard, le personnage d'Evaque est souvent son porte-parole. La vérité que j'ai besoin d'être stimule par la présence de gens. Tout seul, penche sur mon feu éteint, je vois trop les côtes faibles de mes histoires. L'être humain parfaitement simple pourrait continuer à imaginer sans fin. Il ne saisirait pas comme moi l'aspect de Zol des cendres 69 Ladoury. Vie. Docteur Virknia Wallin. Grise dans un foyer sans feu. On me referme un volet en plein visage et tout devient inutile. Les lettres sont une neutre ouverte. La lumière et la chaleur qui permettent de se réunir qu'au travail. Ôtez-moi mes affections. Etty Virginia et Ethel Smith en 1932, et je serai pareil à une algue que l'on a retirée de l'eau, à une coquille de crabe, à une défense d'éléphant. Mes entrailles, la moelle de mes os, la pulpe, tout s'écoulerait hors de moi, un souffle suffirait à me pousser jusqu'à la première flaque et à m'ennoyer. Ôtez-moi l'amour que j'ai pour les amis, furgence dévorante qui m'attire vers la vie humaine, ce qu'elle a d'attirant et de mystérieux. Et je ne serai plus qu'une fibre incolore que l'on pourrait jeter comme n'importe quelle déjection. Les lettres à Ethel, cette compositrice de musique féministe aux allures martiales, à l'énergie infatigable, dont Virginia fut le grand amour, sont pleines de la reconnaissance qu'elle éprouve pour celle qui, dit-elle, a la texture serrée d'une orange bien ronde, quand le monde entier s'effiloche et fluctue. Les lettres sont aussi une nourriture intellectuelle. Elles doivent être bourrées d'idées. Mais il faut y des faits, du concret comme elle dit, une chasse aux taupes, une leçon de maquillage. Je fais enfin partie de l'humanite qui se poudre ou un potin qui vous rattache à la vaste humanite de ceux et celles qui aiment, qui n'aiment plus, qui cancanent, qui se vend 70 yéani yéi, et 11 IP à INTVT, 1, YAX à IITAN, CLES CJ, 11, on CELT, ARBO aussi UN Nouvelle Robe Ridicule. Elles doivent être commis Klein PC ridicule de site qui s'imprime directement au contact du cerveau, que doivent être Tong. En joue 6e, Jean Sireuse, donne mes plus de sel dry, m'en dit-elle à son ami Ethel Smith. C'est dit-ils dont tu sais que j'ai besoin pour vivre. Elle est ponctuée de réflexions qui font pouffer de rire. Mais d'abord, ils doivent ne pas devoir, puisqu'il s'agit d'exercice de liberté. Même les lettres de château, même les lettres de remerciement, me met sur tous les lettres crecrivain. Or les piges gâta chaque mot. Il y a ainsi une scène de zopilante et tragique des vagos. Bernard rentre chez lui pour écrire une lettre. Au moment où j'aperçois quoi une feuille de papier posée sur la table, je deviens ce personnage hardi, dangereux, méditatif et audacieux ou tout ensemble, qui jette rapidement son par-dessus, saisit son porte-plume et trace rapidement sur le papier une lettre et amour passionné pour la jeune fille qu'il aime. Il est faux qu'elle pense que ce petit chef-d'œuvre a été écrit sans un moment d'arrêt, sans une rature, sans suivre des considérations sur la manière la plus ingénieuse de forer des insinuations subtiles et intimes et des réflexions profondes, de donner ensemble un air byronien, de rendre la lettre inoubliable sans qu'elle perde son faux air de brouillon génial. Merton Spira 1, 11 bien, 1, Virknia W001, 1, grise dans un foyer sans feu. On me referme un volet en plein visage, centime tout devient IMP 6N citrable. Les lettres sont une le neutre ouverte, la lumière et la chaleur qui permettent en de SC remettre au travail. Ôtez-moi mes affections, Etty Virginia et Ethel Smith en 1932, et je serai pareil à une algue que l'on a retirée de l'eau, à une coquille de crabe, à une défense d'éléphant. Mes entrailles, la moelle de mes os, la pulpe, tout s'écoulerait hors de moi. Un souffle suffirait à me pousser jusqu'à la première flaque et à m'effoyer. Ôtez-moi l'amour que j'ai pour les amis, l'urgence dévorante qui m'attire vers la vie humaine, ce qu'elle a d'attirant et de mystérieux. Et je ne serai plus qu'une fibre incolore que l'on pourrait jeter comme n'importe quelle déjection. Les lettres à Ethel,
Cette compositrice de musique féministe aux allures martiales, à l'énergie infatigable, dont Virginia fut le grand amour, sont pleines de la reconnaissance qu'elle éprouve pour celle qui, dit-elle, a la texture serrée d'une orange bien ronde, quand le monde entier s'effiloche et fluctue. Les lettres sont aussi une nourriture intellectuelle. Elles doivent être bourrées d'idées. Mais il faut qu'il y ait des faits, du concret comme elle dit, une chasse aux taupes, une leçon de maquillage. Je fais enfin partie de l'humanite qui se poudrote un potin qui vous rattache à la vaste humanite de ceux et celles qui aiment, qui n'aiment plus, qui cancanent, qui se vend 70 IRI, YFKIN Morsi, autant, qui se jalotiscu, Alain, 01 CM TIN non clic robe ridicule. Elles doivent être comme tintes clicules de cire qui s'impriment direct en nos contacts du cerveau. Elles doivent en être longues, enjouées, gencireuses. Donne-moi plus de cette taille, m'en dit-elle à son amie Ethel Smith. Ces étailles dont tu sais que j'ai besoin pour vivre. Elle les ponctue de ralections qui font pouffer de rire. Mais d'abord, elles doivent ne pas, devoir, puisqu'il s'agit d'exercices de liberté. Même les lettres de château, même les lettres de remerciement, me met surtout les lettres d'écrivain. Or les piges gâtent chaque mot. Il y a ainsi une scène de zopilante et tragique des Vaxoil. Bernard rentre chez lui pour écrire une lettre. Au moment où il j'aperçoit une feuille de papier posée sur la table, je deviens ces personnages hardis, dangereux, méditatifs et audacieux tout ensemble, qui jette rapidement son par-dessus, saisit son porte-plume et trace rapidement sur le papier une lettre et amour passionné pour la jeune fille qu'il aime. Il est faux qu'elle pense que ce petit chef d'œuvre a été écrit sans un moment et ara, sans une rature sans suivre des considérations sur la manière la plus ingénieuse de forer des insinuations subtiles et intimes et des réflexions profondes, de donner à ensemble un air byronien, de rendre la lettre inoubliable sans qu'elle perde son faux air de brouillon génial. Mais 71 yad et obéigition tourne courte vion vrai moi se spar de mon moi factice, Bernard, 16, rire et côte lettre et main. La conscience, le larnis, elle ses sentiments d'essai la pause, V01 à l'ennemi pour Virginia Woolf, Canton 6, Ritine lettre, Little Otoline Morel, le tout est de long CT 6ème baisse 6C, le bec de la terre pour cracher n'importe quoi à tout moment. Si je peine c'est réellement que vous deviez ranger cette lettre dans une boîte, je m'empresserai de boucher le bec de la terre avec le bout de mon doigt l'interlocutrice préférée, c'est Vanessa. La calme et la silencieuse. Avec elle, les lettres sont vraiment cette conversation interrompue qui se poursuit depuis la FR du chat noir sans queue. Le plus souvent, c'est Virginia qui panne. Ce que je respecte le plus sont par nature des silencieux, remarque-t-elle. Nessa, Liton, Léonard, Ménard, et c'est profondément vrai. Et c'est profondément douloureux aussi. Il y a dans la lettre un appel, une demande assurée d'être dit. Avec Liv Bell, c'est différent. La littérature et le flirt sont au rendez-vous. Un est pour moi une immense source de joie, ne serait-ce que parce qu'il dit ouvertement ce que je force de dissimuler. Je n'ai jamais connu quelqu'un d'aussi mesquin, suffisant, d'aussi ouvert et profondément bon quand elle se sent en sécurité. Virginia fait des pointes, et des blagues 72 mm, yinx. Les lames comics d'une acragie 6ème monde au toit de la maison. Ma chantre n'est plus une idée si critique qui siote au milieu de tout cela. Je serai moins menibide et apérescane jeune. Comment dans ces conditions voulez-vous que je raide une lettre? Peu iravez vos remarques, lui c'est une astuce classique chez les épistoliers ITS n'ont jamais toutes leurs aises, sont presse, et de mauvaise humeur, si bien qu'ils ne vous servent que les restes de leur génie. Selon vos propres mots, nous avions atteint des sommets. Avez-vous jamais compris à quel point vous regardez vivre au quotidien et m'a profondément ému en même temps qu'amoindri? J'ai toujours peur que ma plume intarissable finisse par vous déchirer les tympans. Virginia court de la scène à la coulisse, du plus profond au plus anoctin, comme s'il fallait empêcher l'encre de se figer. Vite, vite, toujours plus vite, pour être vrai. C'est le même ton que l'on retrouve dans les lettres à Roger Free. Vos lettres sont un tel bonheur qu'elles me donneraient envie d'écrire tous les jours. Pouvez-vous me faire passer l'adresse du monsieur qui nettoie les tapis, vend des canaries et achète les vieux dentiers? Qu'est-ce mort jeune? Mon Dieu, quelle lettre! Cela tient de l'interminable monologue de la vieille paysanne plantée devant sa porte. Quand vous élite mine de I.I. Wilkin à 11 à Chivitk, il n'y a WN, y partir,
Elle se sotivik limik à blanc desse quelque chose de 110 Saint-Al CLI 21, un com, si, is serim si ficrir des lettres et elle iloit in auction de R6 F16 chirlard écrire et inni, TN Ijray centre d'un crisperi LC vous me croyez quand j'y sais dit j'y sais pourrait mieux étir, si j'y consacrais un PC et plus de temps, les. Écrire là une lettre revient désormais pour moi à retourner une omelette dans la poule. Si elle s'ébrise et s'écrase, tant pis, c'est de me de faire de l'habitude d'écrire des lettres qui n'en finissent plus à tout le monde et n'imponki. Je ne peux écrire que si je ne me relis pas, si je me mets à réfléchir, je n'ai plus qu'à les déchirer. Plusieurs de celles que j'ai envoyées récemment sur cette base ont eu des résultats quasiment fatals, la pauvre Missis. Elliot a fait une rechute. Une autre personne s'est refroidie et durcie, d'autres encore se sont échauffées. L'échange épistolaire n'est pas si lourd. Pourquoi faut-il qu'il en soit ainsi? Se plaint-elle dans une lettre à Philippe Morel. Pourquoi restons-nous muets comme des carpes, paralysés par la stupeur, alors qu'il n'y a rien de plus important au monde que notre commun besoin et affection et d'admiration? Je crois que les humains sont fondamentalement érasés par leur sentiment d'insignifiance. Elle, elle aime les lettres? Parce qu'on y parle sans être 74 LLPAIM, U, F au ville. On se note Tidim, Igbra qui ne risque pas de vous licher. On a nié l'intérieur, ressente sans serge un cire de voir, ennui crispé les traits du visage qui vous fait face. Ma NCS t'es pas dupe, nous ne connaissons jamais l'autre. Tic c'est elle de REP citer, si CC n'est à travers l'image que nous nous en faisons et qui n'est qu'une émanation de nous-mêmes. Pauvre vaisseau celle. Et que fait-on quand on écrit une lettre, sinon tenir compte de l'image qu'on vous renvoie? Quand j'y s'écris à Liton ou à Léonard, confie-t-elle à Gérald Brennan, je ne ressemble en rien à CC que je suis quand je vous écris. Voici que ma bessiche qui a une forme de patte d'éléphant vient de tomber par terre, conduit-elle. Bonsoir, je vais s'inscrite, s'inscrite joyeuse, et je s'insure. Être toujours s'insure et toujours autre. Virginia ne cesse d'interroger ce moi insaisissable, le sien, et cela au môme est constant. Quand je vous écris, je prends invariablement un ton en joue, parce que c'est un masque commode, mais les masques, précisément parce que je suis écrivain, me pesant. Maintenant que je suis vieille, je ne veux plus m'encombrer de superflu, je veux former mes mots à la creux des vagues. Redoutable entreprise, écrit-elle à un autre de ses correspondants privilégiés, Jacques Ravra. On comprend mieux, les lettres sont à la fois le jeu social par excellence et le lieu de la s'inscrite par excel 75 la 1, 0 Uli, VIK 1, 1, VIRUINI Woli, lance. C'est pourquoi, régulièrement, Virginia Woolf décide d'arrêter. Plus de lettres. D'abord cela prend temps, elle sait tant qu'il fit inbriitre consacrir s'œuvre, et puis on s'élance vers les mitres, et on essaie casse la figure. On y même sentime ses pires quand on dit la vessie 6. Comme eux, elle qu'elle répète souvent en riant, elle a un esprit si complexe qu'elle doit s'interdire de se relire, sinon elle jette ce qu'elle a écrit sous l'emprise de son destinataire, pour le plaisir d'un bon mot. Et pourtant les lettres s'accumulent, nous avons discuté de l'immortalité avec Liton et Clivégic le couvert que je misais sur ma correspondance, note-t-elle dans son journal en septembre 1920, ce qui est une boutade et pourtant pas. Si Virginia Woolf est aujourd'hui immortelle, c'est, oui, un peu à cause de sa correspondance, de son journal, de sa vie, et de ses amis, mis en scène dans sa correspondance, de tout ce que nous croyons savoir d'elle, grâce à ses lettres, et ses justices. Puisqu'elles sont insignablement le lieu bâtard s'inscrit le plus lisiblement son désir de brouillage des genres, son désir de saisir la vie au vol, son désir de dire la continuité habituelle du quotidien, la vie humaine, faite de choses incongrues, sordides et drôles, la vraie vie, dont aucun biographe ne saurait utiliser la texture réelle, dit-elle s'absurde, soucis obsédants et idiots, et plaisir poti comme achijoie de coup 1111 z un pied, il y a un elmali HMMT RRATIX vrir 1111 centimes 1111 t ainsi pissin, elle ses poissons rouges tic les enfants CN Ctuplisk n 11, escasmk. Florida X sont-elles ces licus de dialogue sur Ardé et Rirk? On y trouve, X intuition et des argumentations saisissantes imaginées que l'on arrive à communiquer vraiment.
Antique QS planade si serreur au mieux que suggéré elle attrape en vol cette facon qui est sienne d'en dire trop les sentiments sont si difficiles exprimés, l'essai et je me fais des ennemis. Je vais à des soirées et j'en dis trop, je vous assure, c'est fatal, c'est plus fort que moi, je ne résiste pas à mon besoin d'intimité, cet élan se fait torrent de mots quand elle écrit sous le coup de la compassion. En particulier à Jacques Rabra, atteint d'une sclérose en plaques, ou à Gérald Brennan, en proie à un chagrin d'amour. Elle enchaîne les histoires drôles, les scènes de la vie de tous les jours, les idées, comme si ces mots pouvaient arracher le destinataire de la lettre aux griffes de la douleur. Et ces lettres sont des chefs-d'œuvre. Mais c'est une drôle d'immortalité. L'immortalité doit être minérale, elle fait de vous une statue. La statue de Virginia Woolf est victime des malentendus qu'elle me sentant si bien à décrire quand elle panne de ses relations au monde, j'en dis tra, c'est fatal. C'est plus fort que moi.